Jingle bell, 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 bell. Donc salut à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo sur The Forest. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas fait, je crois que c'est ma dernière de The Forest remontant en avril 2016. Donc ça fait assez longtemps et depuis ils en sont à la mise à jour 0.45 et dans 1 jour et 17 heures ils sortent la prochaine. Donc j'espère que le jeu sera fini très prochainement, parce que il est pas mal. Donc on va continuer. Voilà, j'ai sauvegardé le 26 avril, ouais, c'est ça. Et je crois qu'on s'était amusé à faire une cabane, un truc comme ça. On voulait se faire une maison et on s'est fait un feu, et après je crois qu'on a arrêté. Et je m'étais pris la tête à couper du bois et tout, je me souviens que de ça. Ah oui, je me suis fait enlever par les Indiens. Ils m'ont attaché par les pieds. À la base, je devais vous faire une vidéo de Five Nights ou de d'un autre jeu, enfin de Garry's Mod, mais ah putain, comment ça lag? D'accord. Comme Garry's Mod, il me faut. Enfin, j'ai pas trop encore joué. Et l'autre jeu. Five Nights, c'est parce que j'ai pas encore fini la nuit. Enfin, là, je galère à la nuit 5. Et en fait, j'ai pas envie de faire une vidéo pour galérer. Donc. Ouais, c'était dans la maison qu'on sauvegardait. Donc là, vous pouvez voir que ça nous met le temps qui reste avant la nuit. C'est-à-dire pas beaucoup. Et on n'a pas mangé et tout ça. Trouver de l'eau. Trouver quelque chose à manger. Et à manger, j'ai pas. Attends, on peut manger de l'aloe vera. J'essaie de les combiner. Oh yes! C'est bon ça? Hungry! Donc il a vraiment la dalle. Il va retrouver quelque chose à bouffer. Oh! Y'a là! T'as le gros mort de faim quoi, il voit une biche, il court après. Viens ici! Ah putain, je l'ai pas eu. Putain, si j'avais un arc, tu ferais moins la maline. Ça court vite hein, ces machins quand même. Tout à l'heure, je l'ai pris par surprise. Je m'épuise en plus. Bon, le feu, je peux peut-être en faire quelque chose. Oh non! Mais non. Ah, il y en a deux. Voilà. Ah, vous avez vu, c'est dégueulasse. On peut mettre des membres en décoration. Oh, une maison bateau. Oh non. Non, non, je vais pas la mettre. On va la mettre à côté de la maison. Voilà les amis, c'est fini. Bon, ça ressemble à rien. Hein. Premier regard. C'est pour mettre votre viande dessus. Ah, j'en ai deux séquences. Je vais rallumer un seul. Voilà. Maintenant, on va chercher à mettre la viande dedans, si on peut. Quoi? Je l'ai pas sur... Ah si, c'est là. Ça. Allez, on cuit tout ça. Là, bouffe. Je peux le récupérer quand, en fait? Il reste dessus. Bah en fait j'aimerais bien construire un truc au-dessus du feu, ce serait stylé quand même. Là c'est à l'arrache. Le mec il met dessus. Ah c'est cuit. Miam miam. Waouh, vous avez vu tout ce que ça remet. Oh. Bon bah, on s'est bien occupé de notre santé. Maintenant on va fortifier notre campement et regardez ce qu'il y a aux alentours. Je ferais bien un piège pour eux là. Manger de la biche, ça doit être bon. Et regardez, il a mangé un écureuil, il a refait le mec. Hé ! Un autre ! Ah putain, le pauvre. Ça fait deux. Voilà, vous avez vu. Il est venu tout seul. Ah, qu'est-ce qui se passe avec ta main ? Couvert de sang. Ah oui,
Il faut se laver pour éviter l'infection. Wow. Putain. Je savais pas. Bon bah on bouffe et puis on va se laver dans la mer ou je sais pas. Rien à foutre. Voilà. Ça il nous saoulera plus. Puis on va se laver. Heureusement il y a un petit point d'eau ici. C'est bon. Ouais, allez, heureusement elle est pas empoisonnée. Hein. Comment on peut ramasser de la flotte? Attends, je vais regarder dans mon carnet. Voilà, food and water. D'accord, ça c'est pour mettre de l'eau dedans, mais comment la ramasser? Il faut une gourde. Ah, des trucs à faire. Trouver Timmy. Bon, ça. Voilà. Setup. Quand? Pas fini. Setup défense. Que faire des défenses? Bon, ça c'est pas fait. Et trouver une route jusqu'à Sinkhole. Je sais pas c'est quoi. Oh, c'est des gros trucs ça. Ok. Happy Burst des trappes. C'est ça l'autre. Wow, mais c'est gros. Ah, on va le mettre là. Bon bah notre camp il va commencer à ressembler à quelque chose, hein, mine de rien. On va avoir un petit piège sympa. Un gros piège. Ça va nous servir à choper des biches ou même des enculés qui chercheront à approcher ma maison. Quand on va pas rester trop longtemps dehors. Oh putain, il y a de l'orage. Je vais aller chercher le dernier et puis on se casse. Il était là, il était là. Vite, rentre à la maison. Il fait que de pleuvoir. Bon, les petits bouts de bois, je les mettrai la prochaine fois. Ah, c'est bon. Il fait jour. Je vais juste rentrer, mais bon. Le feu, il a dû prendre cher. Bon, on va s'en faire un autre. Et mieux que ça. On va s'en faire un grave mieux. Ah oui. Des trucs assez chiants. Mais on va les trouver. Ouais, il est gros, putain. Faut que je recoupe un arbre. Yes. Fais gaffe à la trappe, la biche. Oh, elle a pas été dedans. Oh non, il faut que je recoupe un autre, y a pas assez. On n'a pas donné assez. Est-ce que je peux boire? Elle va être empoisonnée, non? Après, il faudra lui faire à manger avec le feu. Un écureuil par-ci par-là, et voilà, on n'en parle plus. Je suis le maçon de la forêt. Le portugais de la forêt. Bon, on va le mettre là. Ah bah non, il n'y a plus besoin. Oh merde. Bon bah, pas te faire foutre. Je te garde l'ordre au cas où. Et il m'en faut pas qu'un peu, il m'en faut 22 les amis. Il va falloir... Ah bah, il y en a plein là. Oh là, j'ai pris le maximum que je pouvais. On va rapporter tout ça. Ah, on va finir ça peut-être avant. Ah, il m'en manque 4. Ah là, la rage. Et voilà, c'est fini. Maintenant, vous ne pouvez pas aller dedans. Hein. Et voilà, le feu est fini. Allez, on l'allume. Oh! Et le feu fut. Ça se dit même pas, mais bon. Press B to open survival book. Non, merci. Allez. Pour l'instant, là, il me faut plus de la bouffe, au fait. Mais comment construire des armes? Ouais, donc on peut fabriquer un arc, c'est possible. S'il y a une cible. J'en déduis que. Bon, franchement, il veut pas me dire. Il n'y a pas d'armes. Oh merde, je me suis cramé. Mais il est con. Tu m'as fait peur, mec. Hein. Oh mais putain, mon steak. Il veut pas me le rendre. Ouais, je l'ai bien mis dedans en plus.
En fait, j'aurais pas dû faire un gros. Non, il perd sa santé. Dépêche. Oui, j'arrête pas de mettre de la bouffe, mais il me la redonne pas. Mais c'est quoi le problème avec ce feu, wesh? Bon bah je vais boire en attendant. Ah non, mais je suis deck pour les steaks. Ah oui, ça m'a redonné un peu. D'accord, ok. En fait, c'était au centre qu'ils étaient. Et voilà. Là, il a vraiment mangé. Yes, on a tout récupéré. Bon, les amis, on va s'arrêter là parce qu'on a bien avancé. Vous pouvez voir que notre campement ressemble enfin à quelque chose. Nous avons un truc pour mettre les pièces de viande, notre petite cabane que on renouvellera quand on aura un camp plus développé, un gros feu de camp, un énorme feu de camp, un gros piège. Voilà, pour y a pas encore de biches qui sont piégées. Et j'ai une cage à poules ou une, je sais pas, c'est une cage à poules. Je sais même pas à quoi ça sert, je me souviens même plus. Donc dans la prochaine vidéo, pour vous donner un aperçu de ce que je ferai. Bon, elle sera dans longtemps, bien sûr, comme d'habitude, mais ça pour vous donner un aperçu. On se donnera comme objectif de faire cette cabane. Parce que moi, je sais pas laquelle j'ai fait, en fait. Ah, j'ai fait une small cabane. Ouais. On va faire une log. Prochaine fois, je pars. On fera ça. Il nous faudra une carapace de tortue. Ce sera pour collecter de l'eau à l'intérieur. Une cage à lapin, on fera, pourquoi pas. On va pas tout faire non plus, hein, mais... Je fais les trucs importants. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Le gazebo, qui est très difficile à faire. Vous avez vu tous les trucs qu'il faut. Mais ça a l'air très joli une fois que c'est fait. C'est plus pour l'esthétique. Hein. Et puis on va faire des défenses tout autour de notre cabane. Soit les spikes, soit les renforcements wall. Voilà, donc je vais décider. Et puis la route de rocher, bah, j'ai essayé de la faire, mais malheureusement. Elle ne veut pas se faire. Et puis vous pouvez même faire des maisons en hauteur, comme vous pouvez le voir. Des structures élevées. Comme ça, vous êtes en sécurité de tout ce qui se trouve au sol. Moi, pour ma part, je ne vois pas à quoi ça servirait. Vous pouvez même faire des escaliers et des murs avec des portes. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, mais nous, on va s'arrêter à ce que j'ai dit. Et bah voilà. C'est dommage que je puisse pas faire d'arc parce que ça m'aurait simplifié la tâche. Pour choper les trucs. Donc, bah, les amis, c'est ici que se termine la petite vidéo. Et si vous trouvez comment faire un arc dans ce jeu, ou si vous le savez déjà, dites-le moi dans les commentaires, ça me simplifierait la tâche. Donc, bah, les amis, c'est ici que se termine la vidéo de The Forest. Donc, n'hésitez pas à me lâcher le petit like, ça me ferait vachement plaisir. Parce qu'en plus, j'ai fait la vidéo en étant enrhumé, et c'est un peu dur. Et si vous avez aimé ce que j'ai fait. Bon, là, j'ai un peu fait le renforcement de... J'ai fait un renforcement de campement à 100%. Il faut dire qu'on avait assez de la merde. Donc, il fallait bien le faire. Pourquoi pas chercher la bagarre, hein, parce que là, il n'y a pas eu de baston. Ils sont pas venus chercher la merde, mais... pourquoi pas aller chercher la bagarre ou faire de la chasse dans les prochaines vidéos. Donc, bah voilà. Donc, n'hésitez pas à lâcher le petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, j'en prends soin de vous. Ciao.